Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes deux tenues de fête que j'ai fait moi-même. Donc, je remercie toujours et encore Mondial Tissu. Je vous mets le lien du tissu en barre d'infos qui est donc un lien affilié. N'hésitez pas à en profiter, il y a les ventes privées jusque je ne sais plus. Je vous note les dates ici et vous avez entre 30 et 50% sur certains tissus et certains articles de mercerie. Donc foncez, c'est le moment si vous voulez acheter du tissu. Voilà, surtout celui-ci. Donc j'avais pris ce tissu pailleté, hein, je vous l'ai présenté au début de la vidéo. J'avais fait l'intro ou pas? Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de début de vidéo, je dis n'importe quoi. Donc, j'avais pris ce tissu pailleté. Voilà, alors, c'est dans la même lignée du scarabée, là, que j'ai saigné, que j'adore. C'est vraiment mon tissu préféré. Sauf que celui-ci, il est juste à paillettes. Il n'a pas les reflets holographiques pétrole comme le scarabée, il a, ce qui est hyper dommage. Chloé, si tu passes par là, j'aimerais bien un tissu de cette couleur-là. Avec les effets holographiques du scarabée. Voilà, petite demande. Bref, donc on va passer à la première tenue. Donc, je vous voilà, j'ai refait, je me suis pas trop foulée, question modèle, la jupe courte croisée. Voilà, j'adore ce modèle de jupe, je trouve ça très, 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 très classe, mais vraiment très classe. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le même patron que j'utilise d'habitude et elle est un peu plus large. Je pense que c'est l'élastique qui est un peu moins élastique. Donc, celle que j'ai fait en scarabée, j'avais fait le dessous en noir. Là, je l'ai fait en uni et j'ai juste, pour faire un petit détail, hein, vraiment quelque chose de rikiki, j'ai fait le point zigzag. Non, ici c'est un point droit, je vous dis n'importe quoi. J'ai fait un point droit, mais noir, enfin j'ai cousu en noir, pour faire un petit liseré. Ici j'ai cousu l'élastique avec le point élastique, hein, tout simplement. Donc je vous remets le tuto que moi j'ai suivi la première fois en barre d'infos. J'ai tracé mon patron, une fois que vous avez le coup, elle se fait toute seule, la jupe, ça va vraiment hyper vite à faire. Et je trouve ça vraiment très classe. Et vous pouvez encore la rétrécir d'un cran, si vous voulez vraiment du mini-mini. En tournant l'élastique une fois, voire deux, mais là ça fait vraiment un peu trop mini pour moi. Mais en tournant le premier élastique, surtout avec les cuissardes, vous allez voir quand je vais vous présenter le haut et je vous mets le close-up. Mais j'aime beaucoup. Et le top, alors je me suis fait hein, en partant d'un de mes tops que j'avais déjà, c'est un top un peu dos nu, donc voilà. Sauf que j'ai fait un col haut. Je le ferme avec deux pressions. Et j'ai fait dans le dos des petites lanières. Pour donner un petit coup plus classe et plus festive. C'était la pièce la plus chiante à faire. Enfin, à faire non, à retourner, oui. Mais ça donne tout le petit effet. Et c'est ici que j'ai fait. Donc j'ai fait des coutures anglaises. Et j'ai fait du point zigzag pour que ça fasse joli. Donc j'ai fait à la manchure, dans le dos, dans le bas du point zigzag et au col. Et ça donne un petit côté un peu plus classe. Donc je vous mets tout de suite le close-up. Et vous allez voir qu'avec les cuissards, ça donne très bien. Bon, peut-être pas avec les bas, parce que là j'ai enfilé la première paire de bas qui m'est tombée sous la main. Mais j'adore. Donc je ne sais pas du tout quelle tenue je vais mettre à Noël et quelle tenue je vais mettre à Nouvel An. Je pense que celle-ci sera pour Nouvel An. Et donc, je me suis fait une autre pièce. C'est la première fois que je fais un short. Donc, c'est des bagues, des short bags qui s'appellent ça. Vous savez que vous avez la ceinture un peu plus bouffante avec des poches. Première fois que je fais des poches également. Donc, je suis plutôt fière de moi. Voilà, voilà. Alors, il y a un petit défaut. Je vais vous le dire après. Parce que je me suis trompée de sens pour coudre la ceinture, enfin, le côté du tissu. Mais vous allez voir que finalement... Alors attendez, je remets la ceinture correctement. Je vous mets pareil le tuto en barre d'infos, ça vient de Hello Pretty Colors. Donc voilà ce qu'il donne. j'aime trop. Avec des poches, mesdames et messieurs. Des poches qui sont vraiment bien faites.
N'est-ce pas? Je suis ravie. Je suis très, 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 très fière de moi. Donc, on voit un petit peu le liseré noir de la deuxième couche de la ceinture. Parce que, en fait, j'aurais dû la coudre à l'intérieur. Mais finalement, je trouve que ça fait aussi un petit rappel avec les coutures. Pareil, j'ai fait, par exemple, ici aux poches, j'ai fait du zigzag dans le bas. J'ai fait aussi un point zigzag en noir. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit rappel. Donc j'aurais très bien pu couper le liseré noir et refaire un point de surjet, mais j'avais pas envie parce que je trouvais que ça donnait bien et que le côté froufrouteux du bas de la ceinture ici donnait bien aussi. Sauf que moi il était un petit peu trop large. Donc j'ai tout simplement fait des passants. Voilà, j'ai rajouté des petits bouts de tissu, vous voyez, pour passer une ceinture. Et la ceinture, j'ai juste découpé mon tissu. En forme un peu de cravate si vous voulez. J'ai fait plus large au bout et en pointe. Donc j'ai coupé juste du ciseau, le ciseau cranté pour pas que ça s'effiloche. Et ça donne plutôt bien. Voilà, je vous mets le close-up tout fouette, tout fouette. J'aime trop, 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 trop. En ce moment, c'est passion mitaine. Donc je me suis fait également des mitaines assorties au tissu. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça, ça fait très disco, année disco. Voilà, j'aime beaucoup, mais ça donne tout de suite un petit côté festif en plus à la tenue. Et pour terminer, pareil, au ciseau cranté, je me suis fait... Alors, je voulais faire une cravate, mais je me suis dit, la cravate, je ne sais pas si je vais la mettre, je ne sais pas trop avec quoi la sortir. Donc, j'ai coupé mon tissu comme ça, en forme... ça m'a fait penser à un spermatozoïde, désolé, mais voilà. Et comme ça, je peux le mettre soit autour du cou, comme je vous montre, et soit dans les cheveux. Je peux très bien faire une queue de cheval comme ça et l'attacher. Je peux le mettre autour du cou, vous voyez, en le laissant pendre comme ça sur le côté ou devant, comme dans le close-up. Et je trouve ça très, 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 très classe, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je me demande si je ne vais pas en refaire une, puisqu'il me reste encore un petit peu de tissu. Je crois qu'il ne doit pas me rester beaucoup, mais il me semble qu'il m'en reste un peu. Et faire vraiment la même forme que la ceinture en pointe et le faire en double épaisseur. Voilà, donc là, je devrais faire un peu de couture, à voir. Voilà, c'est à voir. Avec ce genre de truc-là, vous pouvez faire un nœud au-dessus dans vos cheveux aussi. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc là, ce qui conclut mes deux tenues de fête, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Après, c'est vraiment versatile parce que le short, je l'ai mis avec, avec un haut noir. Vous pouvez très bien le mettre avec le top argenté pour faire l'ensemble. La jupe, vous pouvez la mettre avec un haut noir. Le haut, vous pouvez le mettre avec un jean. Vous pouvez le mettre avec un pantalon noir, avec une jupe noire. Enfin, voilà, ça vous fait plusieurs tenues en trois pièces. C'est ça qui est génial, quoi. J'adore faire mes petites tenues. Et je sais que personne aura le même short. Peut-être ma nièce qui risque de me demander de me faire un. Mais... voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée. Le top, la jupe, le short, l'ensemble qui fait robe. Ou voilà, vous me dites tout ça en commentaire. N'oubliez pas de laisser le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour les 4005. Donc, ça date un petit peu. Enfin non, puisque cette vidéo sort vendredi, ça date d'il y a 2-3 jours. En route pour les 5000. Il y a un futur concours. Voilà, ça serait bien avant mon anniversaire le 11 février, hein, donc partagez, on partage, n'oublie pas d'utiliser mon lien d'affilié, hein, parce que je croise les doigts, je n'ai pas envie de perdre ce partenariat, donc n'hésitez pas à en user et en abuser de ce lien, voilà, voilà, et ben c'est tout, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.